Au moins 97 personnes ont péri dans un puissant tremblement de terre qui a frappé la province indonésienne d'Aceh, à la pointe nord de Sumatra, la grande île de l'ouest de l'Indonésie. Aceh avait été dévastée par le terrible tsunami de décembre 2004. Des dizaines de personnes étaient encore ce matin prises au piège des décombres, mettant au défi la rapidité des secours. L'état d'urgence a été déclaré à Aceh. À Jakarta, le président indonésien Joko Widodo a déclaré avoir pris la situation en main et ordonné à toutes les agences gouvernementales de se mettre en action. Le séisme de magnitude 6,5 a eu lieu à 5h du matin et n'a pas provoqué de tsunami. Le tremblement de terre de 2004 avait été mesuré à 9,2 sur l'échelle de Richter. Avec le tsunami qui avait suivi, il avait tué 250 000 personnes.